Notre mission, c'est de les garder réveillés toute la nuit, de faire quelque chose qui va bouger, qui va être dynamique, qui va les amener à se divertir pour qu'ils puissent trouver la nuit agréable et qu'il y ait du plaisir. C'est une 6e édition qui est vraiment un beau succès pour nous. Il y a beaucoup de monde au rendez-vous. À travers vos mots, à travers vos silences, à travers vos regards, je comprends. Je comprends ce que vous vivez. Je comprends ce par quoi vous êtes passé. Et cet événement-là, pour moi, a une signification particulière, évidemment, cette année. Je suis très heureux de vous voir en si grand nombre et j'en vois jusqu'au bout de la rue. Donc, je remercie la division Rive-Sud de la Société canadienne du cancer de nous offrir l'opportunité d'unir nos ressources aux vôtres pour aider la recherche et être avec vous ce soir. Je profite de l'occasion pour saluer les 3 équipes de marcheurs du groupe Park Avenue. Donc, amusez-vous bien, restez en forme et merci d'être là. Merci. Merci, M. Norman Hébert. Merci beaucoup. Pour une 2e année consécutive, il est avec nous, notre fidèle partenaire. J'ai perdu mon père le mois passé. Il est décédé de cancer du poumon. Puis, la journée qu'il est décédé, on savait qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Et moi, j'ai descendu Toronto, où y habite mes parents. Mais malheureusement, mon père il est décédé avant que j'y arrive. Alors, j'avais pas de chance pour dire au revoir. Et c'est une affaire qui me dérange un peu. Mais je trouvais aujourd'hui c'est une bonne façon de réfléchir, penser à mon père et surtout faire un peu de support pour une très bonne cause. On doit faire notre part pour tout le monde. Alors, c'est ça mon implication aujourd'hui. En bout de ligne, c'est, on peut donner de l'argent, on peut donner du temps, on peut ouvrir des portes. Je pense qu'on peut faire les 3. C'est ce que j'essaie de faire dans tous les gestes philanthropiques que je pose sur la Rive-Sud à Montréal. Ça fait partie de ma vie de famille, ma vie d'affaires. Puis pour moi, c'est très important.